Salut à tous les amis, c'est One2, on se retrouve aujourd'hui comme promis, comme on vous avait dit, putain je commence à vous prier au début de la vidéo. Au début de la vidéo. Bon tout va bien, alors on se reprend. Comme on vous avait promis pour la découverte de FF10 HD, on vous fait le test complet. Oui, on va essayer d'être le plus complet que possible, hein. Même si on le joue, on le connaît déjà. Et bah voilà, bah vous l'avez entendu, donc voilà. Je suis pas tout seul comme d'habitude, je suis avec mon nono. Salut à tous. Salut, comment allez-vous? C'est le week-end quoi, normal. Ouais, normal, ouais. C'est l'arrêt maladie, tout va bien. Ah, ouais. Enfin bref. Donc voilà, on va faire mon nono. Petite présentation habituelle, hein. Édité et développé par Square Enix, c'est sorti le 21 mars 2014 sur PS3, PS Vita, en cross-playing bien sûr. En cross-playing, ouais. Ça c'est très bien. Dans le jeu, c'est un jeu de rôle bien sûr, hein. Tout le monde connaît FF. Et la version PS2 était sortie en 2002, enfin, avril, je sais plus, mais voilà, on s'en fout. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette version HD, comme on avait parlé dans la découverte, c'était une très 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 grosse réussite. Enfin, sincèrement, oui. On a été bluffé de bout à bout, pour les décors déjà, rien que les décors, mais... Les cinématiques sont exceptionnelles. Ah bah si tu veux... Ah tu veux commencer direct par les graphismes? Non mais je parle vite fait, mais c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, oui. qui nous frappe, c'est les graphismes. Mais je pense que ça on va y revenir plus tard, tout ce qui est graphisme, audio, enfin le son, tout ça, on va y revenir plus tard dans pas longtemps. Ouais, j'aimerais juste qu'on présente un peu les personnages. De toute façon là tu te trouves sur le vaisseau des Albed. Oui. Ton vaisseau qui te permet de te téléporter dans chaque zone du jeu que tu as visité. Voilà, exactement. Tu peux te téléporter grâce aux sphères de sauvegarde. Le vaisseau est disponible pas au début du jeu ni à la moitié, mais quasiment à la fin. Deux tiers du jeu, quasiment, ouais. Même un peu plus. Ouais, même un peu plus. Hein. C'est dès qu'on a atteint les ruines de Zanarkand. Bah oui, ce qu'on disait, de toute façon là, on est à quoi, 3 heures de jeu de la fin, je pense. Voilà, à peu près. Après les ruines de Zanarkand, il reste pas grand chose, hein, mais bon, voilà. Donc là, on est sur la passerelle, le pont principal. Le pont principal, donc comme d'hab, on contrôle Tidus. Tidus, le joueur de Blitzball des Anarchand Abes. Abes, voilà. Et donc Tidus se retrouve plongé dans 1000 ans plus tard. 1000 ans plus tard. Et dans un monde où les machines sont quasiment interdites. C'est plutôt la magie qui prime avec une religion yévoniste, on va dire. Voilà, ouais, les préceptes de Yévon. Le dieu, c'est Yévon. Mm-hmm. Donc, on arrive sur l'île de Bessaïd, quasiment au bord de la plage, quoi. Même dans l'eau, quasiment. On arrive dans la flotte. On arrive dans la flotte. Bah là, on vous a quitté pour la découverte. Quand même pas une demi-heure après. Une demi-heure après. Voilà. Et donc on arrive à Bessaïd et on rencontre ce monsieur, donc Waka, qui est un joueur de Blitzball de Bessaïd Rocks, qui est une équipe très malchanceuse parce qu'ils n'ont jamais gagné un seul match. Ils étaient éliminés dès le premier tour. Voilà. De toute façon, tout le monde qui adore cette série, même ce jeu, connaissent un minimum l'histoire. Et Tidus arrive, il le voit faire un magnifique shoot dès qu'il arrive. Voilà. Il renvoie la balle et ils sont tous super. Waouh, c'est génial, super impressionnés. Ils sont stupéfaits. Stupéfaits. Et du coup, au fur et à mesure, on voit qu'ils veulent rentrer dans l'équipe des Blitzball. Ils veulent faire rentrer Tidus dans l'équipe. Après, on arrive à Bessaïd. Voilà, au village de Bessaïd, on va rencontrer Lulu. Lulu. La petite Lulu à droite. Notre mage noir. Notre mage noir, ouais, qui est ultra puissante. Moi, je sais que, comme beaucoup de gens, je pense, l'utilise beaucoup pour le scénario. Après, elle est beaucoup plus en retrait, parce que vu que... On verra après au niveau du sphérié que tout le monde peut tout faire quasiment. Ah bah oui, quand les sphériés sont complets. Oui. Voilà, donc elle c'est la mage noire. Waka lui il est très spécialisé dans les ennemis aériens et assez rapides, qui ont beaucoup d'esquive. Voilà, ennemis à distance, voilà. Oui. Voilà, donc là au bout on a la petite Riku. On a la petite Riku qui vient plus tard dans l'histoire. Qu'on rencontre après la... C'est où ça? Avant Selenos. C'est juste avant Selenos. C'est ça. Donc Riku, voilà. La petite Riku. Qu'on rencontre avant Selenos, parce que là on la voit pas bien de près vu qu'elle est au bord du vaisseau. On a Kimari qu'on rencontre à Bessaïd. Qu'on rencontre dans le temple. Dans le temple. La première fois, mais tu te bats contre lui, la première fois tout seul. Oui, une fois que tu avances dans Bessaïd à la sortie du temple, tu te bats contre lui. C'est une sorte de défi pour voir si t'es apte ou pas à protéger Yuna.
Ah oui, évidemment, Yuna, le personnage central de ce jeu, je pense, qui est un peu plus loin dans le vaisseau, on va pas aller la chercher, mais tout le monde la connaît. Hein. Non, non, bah enfin... C'est Yuna, quoi, tout le monde la connaît, la mage blanche de l'équipe, oui. Qui est une invoqueur, une invoqueuse... Une invocatrice. Une invocatrice. Non, mais non, invoqueur. Une invocatrice. Une invocatrice, si tu veux. Avec un cas. Ouais. Bon, bah, elle appelle les chimères, quoi, putain merde. Elle appelle les chimères, voilà. Et elle fait son pèlerinage, et nous on l'accompagne dans son pèlerinage pour en fait détruire le grand méchant du jeu qui est Sin. Qui est Sin. Un monstre immense qui se balade autant dans les mers que dans les airs. Oui. On spoil ou pas? Enfin, de toute façon, il n'y aura pas de spoil, tout le monde connaît ce jeu. Tout le monde connaît le jeu, donc Sin qui est en fait le père de ce fameux monsieur Tidus. Qui s'appelle Ject, oui j'ai retenu la leçon, t'as vu? Ject, ouais, t'as vu? J'ai retenu la leçon. Ah mais tu sais que j'ai bien écouté les cinématiques. C'est Ject. Ouais c'est Ject, c'est pas Ject. Parce que c'est en anglais. C'est en anglais je te disais. Mais t'es con. Donc Ject. Voilà. Qui se révèle être Ject, voilà. Et c'est pour ça que Tidus se sentait qu'il se sentait toujours proche de Sin à chaque fois qu'il l'a rencontré. Il avait une sorte de lien bizarre avec un lui. Aura avec une sorte d'aura, ouais. D'aura ouais, avec lui. Donc Ject qui est l'ancien gardien avec Auron qu'on peut voir juste après là. Ah oui Auron, tiens d'ailleurs oui. Auron qui sont les gardiens du père de Yuna, oui. Sœur Braska. L'ancien invocateur qui lui aussi avait détruit Sin avec Auron et Ject. Ject. Ouais. Ject. Merci. Et elle voilà, son but c'est de détruire Sin. Et du coup en fait on se rend compte que à force d'avancer dans le pèlerinage, Tidus il découvre dans le repère des Albed. Quand il se fait détruire, que Yuna en fait doit se sacrifier pour détruire Sin. Et vu que Sin ne meurt jamais réellement, qu'il revient tous les 10 ans. Ouh, c'est plus. Attends, par contre, c'est plus tard que le repère des Albed. Ah non, je t'assure, c'est là où Tidus découvre que Yuna doit se sacrifier. Ah oui, parce que c'est. Où il s'énerve contre Valéfort. C'est Sid qui voilà. Dit. Exactement. D'ailleurs, Sid, on va le faire juste parce que c'est quand même un personnage important qui revient dans tous les. Merde. Le nom de Sid revient dans tous les FF. Dans tous les FF. Je sais pas si c'est. Et c'est toujours un capitaine de vaisseau. Ouais. Ouais, toujours. Bizarrement. Et Sid, alors qui est donc le. C'est l'oncle de Yuna. C'est l'oncle de Yuna et c'est le père. Le père de Riku. De Riku. Donc voilà, donc Riku en fait et Yuna ont un lien de parenté. C'est voilà. Cousine. Hein, cousin, c'est des cousines. Cousine. Et là, ce sont des Albed, hein, les trois qu'on voit. Frangin, ouais. Qui est le pilote du vaisseau. Et les Albed, ce sont ceux qui sont les pros de la machine. Quoi. Voilà, ils sont pas aimés sur Spira parce qu'ils utilisent des machines. Et les machines sont interdites par Yevon. Exactement. Donc, si vous avez retenu, Yevon, c'est l'église. Hein, c'est l'église, voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut te montrer? Voilà, voilà. On va vous montrer la carte, comment ça se passe. Ouais, la map monde, si on peut appeler ça une map monde. Ouais, c'est une map monde, mais pas un monde ouvert, hein, clairement. Donc voilà, ça c'est comme ça. Donc la liste, vous allez avoir d'abord la recherche. On a la recherche pour ça si vous avez envie de taper au hasard pour trouver des comment ? Des zones cachées. Des zones cachées. Sinon, si vous les trouvez pas comme ça, vous avez des codes à trouver partout sur le monde de Spira qui sont écrits en Albed. C'est ça. Mais pour pouvoir déchiffrer le Albed, il faut récupérer 26 manuels Albed et non pas 21 comme j'avais dit dans la découverte parce que moi, je suis tellement stupide. Bref, voilà, c'est le nombre de lettres dans l'alphabet, il y en a 26 et pas 21. Donc les manuels bêtes voilà. Qui sont là. Ah, t'as loupé le deuxième. Oui, j'ai loupé le deuxième, bref. Voilà, donc voilà, il faut récupérer 26 manuels Albed qui représentent les 26 lettres de l'alphabet. Et Du coup, vous pouvez déchiffrer certains codes. On peut déchiffrer certains codes. Qui vous diront où aller dans les zones cachées. Enfin, voilà. Pour trouver les zones cachées. Donc, avec ou sans guide, on peut y arriver, mais il faut quand même se rappeler des zones où il y a des petits sigles comme ça. Voilà. Après, donc. Là, c'est la liste de toutes les zones qu'on a visitées déjà. Donc, il y en a quoi? Il y en a une bonne quinzaine, quoi. Il doit y en avoir une vingtaine avec les zones cachées. Là, on en a 16. 16, ouais, bah, il y en a 20 avec les zones cachées. Une sorte de. Ouais, une vingtaine. Voilà, c'est la téléportation instantanée. Instantanée. Il n'y a pas de voyage à pied ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas de zone de combat. Vous pouvez quasiment tout faire à pied. On peut tout faire à pied parce que. À partir de. D'ici. Voilà, et en fait on voit ouais, de la route de Mienne jusqu'aux ruines de Razan Arkhan, c'est un chemin. Ouais, c'est un chemin, donc on peut tous les faire. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une zone centrale dans le jeu, enfin une ou deux, on pourrait dire, parce que au niveau qui marque l'histoire, il y a la pleine félicité. Ah bah c'est la pleine... De toute façon, la centrale c'est la pleine félicité. Voilà, où c'est la plus grosse zone du jeu où d'ailleurs, on peut utiliser, voilà, on va y aller tout de suite. On peut utiliser les chocobos.
qui sont le dernier épisode où ils sont juste magnifiques. Ouais. Parce qu'à partir du 13, ils sont commencent à avoir leur vieille tresse dégueulasse là. D'ailleurs, dans le 12, est-ce qu'on les utilise vraiment les chocobos? Tu sais que je me rappelle pas. Oh, ça fait un moment que je l'ai pas fait, je pourrais pas te dire. Mais le 12, on le fera pas. En vidéo, c'est pas possible. Non. Non. À part que s'il ressort en HD. Voilà. Et il est en bas là, tu descends, il est en bas l'autre là. Descends, le long. Là? Il est là, oui. Ah putain, et moi je le cherchais à droite, je suis trop con. Mais non, il est là. Donc on va emprunter un chocobo. Voilà, ils sont magnifiques. Ils sont mignons. Et quand vous êtes à d'autres chocobos, vous pouvez. Enfin, vous êtes pas. Vous êtes immunisé contre les combats. Voilà. C'est en mode sécurité. En mode sécurité. Et vous vous déplacez beaucoup plus vite, ce qui est logique. Bah, surtout que la capacité est pas mal grande. Voilà, donc. À pied, c'est long. À pied, c'est très long. Les combats sont super, super récurrents, mais c'est hallucinant, il y en a tout le temps. Et puis, quand t'arrives sur la capacité, ils sont durs. Ouais. Ils sont durs. Exactement. Et dans, sur cette plaine, il y a une sorte de morbole aussi. Ouais. C'est le premier niveau de morbole. Mmh. Et le morbole, c'est l'ennemi très reconnu des FF qui est réputé pour balancer un coup avec toutes les altérations d'état. Le casse-burn. Le casse-burn de base. Comment tu as dit tout à l'heure, le kill farming. Ouais, c'est un kill farming. C'est un kill farming. Parce que voilà, on peut farmer pendant des heures, on va oublier de sauvegarder, on va se rencontrer un morbole, on n'aura pas de ruban, parce que le ruban aussi est un objet omniprésent des FF qui permet de protéger des altérations. Ouais, mais dans les autres FF, il est beaucoup plus simple à choper le ruban. Là, dans celui-là. Faut tuer les chimères purgatrices. Voilà, bref. Bref, ça. On reviendra après dessus. Bah, on finira par une chimère purgatrice, juste pour vous faire voir que je me prends une branlée en vidéo quand même. Ouais. On peut montrer. La pleine félicité. Pour expliquer. Tu veux l'expliquer l'histoire de la pleine félicité ou tu veux que je le fasse? Bah, fais-toi plaisir parce que moi je suis con. La pleine félicité, c'est là où a eu lieu les plus grands combats des invoqueurs face à Sin. Et la légende raconte que ces espaces que vous voyez là, c'est Sin qui s'est enfoncé avec ses pattes, enfin son aileron immense, dans les plaines, et que, le gros de l'affrontement se passait ici. Donc c'est, pendant l'histoire, quand vous y arrivez, c'est un moment très très important du jeu. Ah bah c'est une plateforme centrale du jeu carrément. Oui oui oui. Donc voilà. Et toute, l'histoire principale, voilà, de toute façon vous connaissez, puis vous verrez bien, on va pas spoiler non plus. Mmh. Mais pas mal de quêtes secondaires se passent à cet endroit aussi. Vu l'immensité de la zone aussi. On va aller, il y a à ma gauche, je vais pas y aller parce que c'est un peu loin, mais à ma gauche, il y a pour choper l'arme ultime de Tidus. Voilà, les armes ultimes aussi, encore un truc ultra ultra important pour finir le jeu à 100%. Hein. Ici, on a le centre d'entraînement des monstres, donc le CEM. Voilà. Pour tous ceux qui farment, tout le monde le connaît. Donc, parce qu'à un moment dans le jeu, cet homme d'ailleurs, je sais même plus comment il s'appelle. Oh, je sais plus. Il s'appelle comment? Il s'appelle pas. Eh ben, c'est parfait. On le siffle. Il s'appelle pas, on le siffle. T'es bonne, bébé. Il vous demande de capturer 10 monstres de chaque espèce, de chaque zone. Voilà. Plus 5 monstres de 4 ou 5 espèces, je crois, dans tout le jeu. C'est des monstres beaucoup plus rares, beaucoup plus compliqués. Mmh. Et pour finir le jeu à 100%, vous êtes obligé de faire ça. Et c'est très casse-burne. Et si vous capturez 10 monstres d'une certaine zone, lui, en contrepartie, il crée des monstres avec les monstres que vous avez capturés. Des monstres originaux. Qui sont là. Y a des donc Terragouton, oui, bah par contre j'ai pas tout fait, et Shinryu que j'ai réussi à niquer. C'est le gros oiseau celui-là. Ouais, le gros oiseau. Oui, il y a les zones complètes, après à gauche tu auras les monstres originaux et les créations de zones. Ouais. Mais j'ai pas. Ouais. Enfin, je me suis pas attardé dessus pour l'instant. Donc, comme dans tous les faits, vous voyez, acheter des armes, des objets, c'est normal, des potions, des queues de phénix, hein, comme dans tous les FF. Classique. Les armes ont chacune des caractéristiques spéciales. Ça pourrait ressembler un peu au materia, on va dire. Parce que vu qu'on met des compétences spécifiques, mais c'est pas non plus aussi important qu'une materia. Ça va être quoi, une augmentation de l'attaque physique Attends. Hop. Vu que t'as oui, tu peux modifier. Voilà. Donc voilà. Donc par exemple, sur celle-là, vous avez une arme, elle est attaque fossile à la base. Vous pouvez rajouter analyse pour savoir le nombre de PV de l'ennemi et compagnie. C'est une sorte de scan. Oui, c'est vrai, c'est un scan. Percée, c'est pour les ennemis à armure. Voilà,
qui sont durs à avoir. Ça ignore leur armure, on va pas faire l'initiative, tout ça, là, là, là. Donc vous pouvez ajouter des caractéristiques pour chaque arme. Donc là, il n'y a que un emplacement débloqué, mais vous avez, voilà, vous avez par exemple... 4 emplacements, c'est le maximum. 4 emplacements. Donc, pour ajouter ce que vous voulez. Mais pour rajouter les compétences, il faut des objets bien spécifiques, plus ou moins rares en fonction de la caractéristique que tu veux insérer. Bah, pour être plus ou moins rare, t'en as certains. Par exemple, si on descend en bas. Éternant, lueur d'espoir. Ouais, mais SOS Overdrive x2, c'est un peu à chier en fait. Hein. Ça sert un peu à rien. Non, mais bien sûr, mais bon. C'est juste un exemple. C'est pas. En fait, dans ce jeu, le farming n'est pas inutile, clairement. Parce que. Dans tout FF qui se respecte, on est obligé de farmer un minimum dans des zones bien spécifiques à certains endroits du jeu. Certains monstres aussi, parce que il y a des monstres, comme disait Wentu, plus ou moins rares, et pour finir le jeu à 100%, on est forcément obligé de faire du farm. Hein? Donc là, on a vous a montré la zone principale, et nous, une zone qui nous tient vraiment à cœur, ce sont les ruines de Zanarkand. Bon, on va y aller direct, de toute façon. Qui sont pour moi l'une des... avec les grandes villes comme Luka ou Bevel, des zones les plus magnifiques du jeu. Et le lac de Malkania, mais le lac de Malkania, c'est vrai, c'est pas une ville, mais bon. Ouais, c'est une zone de combat, de jeu, mais les ruines de Zanarkand, c'est la base de FF. Tu commences à Zanarkand, déjà, à la base. Oui, de toute façon. Et tu y retournes une fois qu'elle est en ruine. Et tu retournes quand elle est en ruine. 1000 ans plus tard. Voilà, avec la somptueuse musique qui l'accompagne. Ah bah oui. Voilà, qui a bercé tant de joueurs, je pense. Aïe. Voilà, donc on va y aller vite fait pour vous montrer. Et vous voyez quand même, on va voir quand même la différence. Faudra aller à Luka, là où il y a de l'eau. Porto Kilika. Ou Porto Kilika pour voir. On commence par là. Vas-y, monte Porto Kilika pour parler des graphismes un petit peu. Oui, bah voilà, on va. Quand je vous disais qu'on parlait des graphismes, l'eau, c'est ce qui a été refait, mais de façon tellement sublime. Bah, l'eau in-game ressemble à l'eau des cinématiques. Voilà, et franchement, ils ont fait un taf de malade, voilà. Ça. Et l'eau est quand même super magnifique. Ah non, mais elle est magnifique. Est magnifique. Au loin, on voit ton vaisseau, mais c'est la classe, quoi. Elle est vraiment magnifique. Ah merde, je peux pas y aller. Ah mais c'est... oui, non, mais oui, c'est pour aller au vaisseau. Par contre, on voit quand même que tu vois le ciel, c'est une tapisserie. Ouais, non, mais de toute façon, tu peux pas... C'est un jeu PS2 qui a été refait en HD, mais ils ont refait le jeu entièrement en HD. C'est une tapisserie, mais les nuages, ils bougent. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est une tapisserie qui bouge, quoi. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Non, mais la flotte, moi, ça... quand je suis arrivé à Kilika, ça m'a fait halluciner. Je fais que ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, genre de Anarchie blizzball. Même pas. Ouais. Non, même pas. Tiens, parlant du blizzball. Alors voilà, vous voyez, Wentu, voilà, a fait carré. Et la touche carré permet de voir si ces personnages sont des joueurs ou pas de blizzball. Le blizzball qui est le sport commun. C'est le sport numéro 1 dans le monde de Spira. Et malgré 1000 ans après, ils y jouent toujours. Ouais. Et c'est pour ça que Tidus s'était refait de voir ça. C'est pour ça qu'il s'est donné à fond le premier. Bah, c'est le seul lien, enfin l'un des seuls liens entre son Zanarkand et celui-là. Et ce monde-là, voilà. Et ce monde-là. Et franchement, même la sphère de blitzball est magnifique. C'est de l'eau aussi. Et quand tu la sphère, là où il joue, tu parles. Là, le match, le terrain de. Le terrain, oui, tout simplement. Et ben, c'est franchement magnifique. Mais sincèrement, le jeu, la refonte graphique, elle est exceptionnelle. On a été bluffé sur des trucs. Après, c'est vrai qu'on voit que c'est de la PS2 parce qu'il y a les PNJ qui sont. Les PNJ sont restés au niveau de la PS2. Ça. Exactement. Par contre, même là, la flotte, en fait, on s'est arrêté à Kilika. Mais même là, parce que souvent, les joueurs, les testeurs et compagnie se basent sur l'eau parce que c'est un des trucs les plus durs à faire. Ouais. Et enfin, moi, je suis désolé, c'est magnifique. C'est très très bien. C'est réglé. Magnifique. Tu vois, pour comparer avec un très bon jeu, comment il s'appelle, Bioshock... Le premier du nom, non, Infinite. Le Infinite. Ouais. Et bah l'eau est dégueulasse comparé à ça. Après, c'est pas le même style graphique, mais voilà quoi. Ouais, mais ils ont pas accès... on va pas parler de ça. Non, enfin bref, on va pas s'attendre sur ce sujet, mais enfin voilà. On va montrer un combat vite fait, un ou deux combats. Un ou deux combats et après on fera voir le sphérié. Le sphérié qui est aussi une plateforme centrale du jeu qui sans ça ne nous permet pas d'avancer correctement dans l'évolution des personnages. Ah là ils vont se prendre une race quoi. Ouais. Enfin je pense. Ah bah clairement. Alors, au niveau où ils en sont, voilà 2000. Ouais, des one shot carrément. Oh, t'es sérieux toi? Ouais, il faut Waka mon petit. Non mais normalement avec un petit dégage. Voilà, animation des magies qui est assez sublime. Oh, c'est magnifique. Et Sidéral,
en overkill, évidemment. Putain, je suis en train de penser à tout ce qu'on n'a pas dit, il reste des trucs à dire. Bah bien sûr, ouais. Bah, mais le problème c'est que dans la découverte, on avait dit quelque chose aussi, tu vois, mais pas tout. Ouais, mais on avait parlé des chimères, tout ça, et on en avait vu aucune. Bah ouais, mais là, vu qu'on les a, tu les as pas toutes. Putain, je suis en PC 0. Ouais. J'ai eu peur, non. Non, non, non. Non. Oui, bah, donc là... Sphérier ou chimère? Montre le sphérier d'abord. Sphérier. Ouais. Donc, le principe d'évolution de FF10 qui marche par sphérier. Donc, le sphérier, c'est ça. C'est une grande plaque, on ouais, va dire. C'est... Oui, c'est une grande plaque. Une grande plaque avec des cases à activer. Des cases à activer, carrément. Ouais, je vais vous faire voir. Hop. Des cases à activer et voilà les niveaux évolution qu'on déverrouille. Oui, parce que ça marche pas par niveau. Vous arrivez au niveau 99, je précise bien, parce que voilà. Ça, par contre, ça change un peu. Exactement, c'est des niveaux d'évolution, donc à chaque combat on gagne des PC, des points de compétence qui nous permettent d'augmenter notre niveau d'évolution. Et les niveaux d'évolution, c'est comme un jeu de dés en fait à la base. Tu avances de case en case, ouais. Du nombre de points de niveau d'évolution. Donc après on arrive à des cases, on va utiliser des sphères spécifiques, donc des sphères mentales pour de l'esprit ou de la magie, des sphères physiques pour la constitution et la force. Des sphères d'agilité pour l'esquive et la rapidité. La rapidité et les sphères de... Et pour la précision aussi. Et la précision et les sphères de compétences. De compétences pour les compétences. Pour les compétences, ouais. Ça va. C'est bidon. Ah, c'est ça. Et voilà. Puis après, on a des sphères dérivées, comme vous voyez, des sphères de niveau 3, niveau 4. C'est des sphères qui bloquent le passage. C'est des sphères qui sont beaucoup plus rares à choper. Ah bah là, faut ouais, pour les faire dropper. Voilà, pour déverrouiller les meilleures compétences du jeu, les cases qui donnent plus de points, parce que les cases du début donnent 1, 2, voire 3 points maximum. Et ouais, meilleures cases, force et, ouais. En force et tout, et après, on déverrouille des cases de niveau 4. Mais ça, c'est très dur à avoir, enfin, c'est surtout du farm à fond. Hein, c'est du farm, et enfin, compéter un sphérier, c'est très très long. Mais putain, mais même l'humain, en fait, elle est pas mal. Hein. Non, elle a rien du tout. Hein. Oh bah ça va quand même. Ouais, mais vu que t'as farmé dans le Viaduco, Oron. Bah ça c'est ton number one, je ah pense. Ouais, moi c'est mon number one. Là il a ouais 70-75% du sphérier carrément. Et vous voyez là tous les prénoms, tous les noms, ce sont les noms des personnages où ils se situent réellement sur le sphérier. Et on peut voir leur évolution en direct avec chacun a une couleur bien spécifique. Ouais. Qu'il faut reconnaître, Wakas orange, Riku. Oui, Riku. Riku c'est vert. Tidus c'est jaune. Tidus c'est bleu, Ron c'est rouge. Yuna c'est blanc. Yuna c'est vert. Non, c'était sur Riku. Oh merde. Et Loulou, violet. Voilà. Yuna enfin, c'est, ouais. Ouais, c'est bleu, violet. Ouais. Enfin, on s'en fout un peu, mais voilà, c'est pour vous dire l'évolution qui est très importante comment dans le jeu. Comment se passe l'évolution? Et elle est très très longue à faire pour monter les sphériers à 100%. Bah, c'est du 300 heures, 300-400 heures. 300-400 heures. Par contre, on va pas plus loin parce qu'après tu peux te battre contre Bahamut Purgateur et je pense que t'es pas que t'es passé. Non, je suis pas prêt. Non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Parce que là, c'est une bonne transition pour parler des chimères qui sont à la base. Bah, tu peux montrer un petit combat de chimères. Ouais, bah un petit combat de chimères. Tu fais une osmose carrément. Oh, donc voilà. Non, mais je m'en bats les. Ah bah, je m'en bats les couilles. Hein. T'en bats les couilles. Hein. Bahamut qui est dans tous les FF aussi. Shiva, Ifrit aussi. Oui, oui, c'est des personnages. C'est des chimères, récurrentes de tous les FF. Et voilà, on peut voir quand même que Bahamut est un peu plus humanisé, il tient sur ses deux pattes arrière. À la classe. Il a la classe, mais il est pas aussi beau que ceux d'FF7 pour moi. Non, mais voilà. Bref. Mais bon. Donc voilà, comment ça se passe. Donc Bahamut aura aussi un overdrive. Les overdrives, ce sont l'équivalent des limites. Ouais. Et les overdrives, on les obtient en faisant des dégâts, ou en prenant, avec. Ou à chaque tour d'action. Ou à chaque tour d'action. En fait, on va déverrouiller des types d'overdrive. Bah attends, tu sais quoi? Hop, on va finir le combat et je vais faire voir les types d'overdrive, ça sera plus simple. Par contre, là, t'as mis un abrégé, donc on verra pas toute la scène. Tu vois juste le laser. Non, mais c'est pour les. Ah, mais oui, si. Ah, bah même pour les attaques. Ouais, attaques d'overdrive. Exact. Voilà. Donc voilà, c'est 2 overkill à 99 999. Parce que comme vous pouvez le voir dans ce FF, la particularité c'est qu'on peut dépasser les 9999 de dégâts qui n'avaient pas lieu dans le 7, dans le 8 et dans le 9. Et on parle pas du 13 et des autres parce que non, là aussi on peut le faire, mais là, dans celui-là, quand on voyait qu'on pouvait faire ça, on pouvait dépasser les limites de 10 000 points de vie avec tous les personnages. Non, après, tu peux pas. Enfin, je sais pas, moi je l'ai pas fait. Non, dans le 13 tu peux, mais je parle pas à cette époque-là. Le 10 c'était le premier à faire ça. D'accord. Le FF10. Ah bah, je me rappelle pas, toi. Bah, dans les autres tu pouvais pas. C'était 9999 obligatoirement. Bon. Voilà, overdrive. Donc, non, ça c'est pas mon exemple, on va dire Tidus. Donc, lui pour l'instant il a trois types d'overdrive.
Il n'y a pas tout le monde à 4 overdrive. Il y a Tidus qui en a 4, Waka et Oron. Et tous les restes, ils en ont qu'un. Parce que. Ils en ont vraiment qu'un. Parce que à ce moment-là, Lulu en a. Lulu, c'est autant que autant de sorts de magie. Lulu, ouais, c'est ça. Autant que de sorts de magie. C'est ça, c'est ça. Et Lulu, en fait, elle va utiliser. Elle va enchaîner un sort. Autant de nombre de fois qu'on va réussir à tourner le joystick droit. Qu'est-ce qu'elle a. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre de sorts qu'elle peut utiliser. De toute façon, c'est les sorts qui ont des verrous sur le sort également. Oui, de toute manière. Ouais. Donc, ça, c'est pas le sort le plus. Enfin, l'overdrive le plus impressionnant. Mais c'est très utile au début du jeu. Moi, je m'en sers beaucoup. Oui, au début, oui. Au début du jeu, tu t'en sers énormément parce que c'est super utile contre les boss qui sont faibles à la magie. Bah, le quartz en overdrive est très très bien parce que tu l'enchaînes 10 fois, ça te fait 10 fois un quart de la vie de l'ennemi. Voilà, donc après il lui reste pas grand chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sont immunisés à ça aussi. Ouais. Les boss de fin. Enfin, Hades par exemple, ça sert à rien. Bah non, parce Hades ça sert à rien. T'as une chance, je sais pas combien de le réussir. Donc vas-y, on va monter les chimères vite fait, tu les as pas toutes encore toi? Les chimères, oui. Voilà, donc là pour l'instant t'en as 6. Et bah, et puis ça, ouais, j'en ai 6 pendant un bon bout de temps, ouais. De toute manière. Loser. Ouais, je t'emmerde. Donc voilà, alors Valéfort, qui n'était pas dans les anciens, c'est la première qu'on débloque au temple de Bessaïd. Ifrit. Qui était dans les autres aussi. Que Ifrit, donc la chimère de feu. Chimère de feu. Ixion, la chimère de foudre. Voilà, Shiva, la magnifique et majestueuse Shiva. Shiva, elle est énorme. Qui, pour moi, c'est ma préférée de toute façon, Shiva. Mm. Bahamut, que je trouve ultra stylé, qui est la plus puissante à ton niveau, là, pour l'instant. Après, ouais. Après, il y aura Anima, qu'on n'aura pas, mais... Mais ça, c'est, enfin, ça, c'est les 5 de base que vous avez obligatoirement. Après, Yojimbo. Yojimbo, c'est le premier que tu peux récupérer en étant caché, c'est plus simple. C'est le plus simple, mais c'est l'équivalent de Odin dans les anciens, c'est celui qui peut effectuer le Zanmato. Ouais. En échange d'argent. De beaucoup d'argent. Mais ouais, malheureusement. Voilà. Ensuite, on aura Anima, comme j'ai dit tout à l'heure. Magus et. Non, Anima et Magus. Les 100 Magus, c'est celle que tu récupères en dernier. Donc, bah, Anima, qui est une chimère qu'on rencontre dans le jeu. Que c'est Seymour qui la contrôle. Voilà, Seymour, l'un des grands méchants du jeu. Voilà. Et qui est ultra. C'est la plus puissante du jeu pour moi. Ouais, c'est la plus stylée, hein. C'est la plus stylée. Avec Bahamut. Et les dernières sont les 100 Magus, elles sont 3, c'est des 3 petites abeilles. Voilà, qui sont pour moi, je sais, elles sont pas très très utiles, mais elles sont indispensables pour finir le jeu à 100%. Et pour certains boss, le problème c'est qu'on peut pas les contrôler entièrement. Parce que tu leur dis attaquer, défendre, protège-toi, voilà, ça va être ça. C'est ça le problème. Mais sinon, on n'en a pas autant que dans les anciens FF, mais pour moi c'est pas une grande part de FF10 parce que tu peux finir le jeu sans les utiliser vraiment. Bah tu peux finir le jeu juste avec les 5 de base que tu chopes obligatoirement dans les temples. Voilà, mais t'es pas forcément obligé de les utiliser sauf à certains moments clés de l'histoire où tu vas être forcément obligé de t'en servir. Mais voilà, elles sont pas anecdotiques, mais elles auraient pu prendre une place plus importante même si dans des cinématiques on les voit apparaître, elles sont toutes aussi bien réalisées les unes que les autres. Leurs attaques de overdrive sont toutes assez impressionnantes, plus ou moins utiles, mais pour moi Anima c'est la plus puissante parce qu'elle peut aller jusqu'à 1 million de dégâts quand même. Ouais, Anima, au niveau du style. Voilà. Elle est magnifique. Magnifique. Donc voilà, on a vu. Après, pour chaque chimère, on peut. Parce que maintenant qu'on est là. Hein. Voilà. Et ça, c'est le premier combat qu'on va rencontrer avec Belgemin sur la route de Mien. On fait des duels de chimères et elle peut nous apprendre une technique. Ça s'appelle le cœur d'invoqueur qui permet d'apprendre toutes les compétences, les techniques de nos personnages qui sont là en échange, bien sûr, comme d'habitude, d'objets plus ou moins rares, les sources magiques, les sources vitales. Voilà. Voilà, donc ils peuvent être assez polyvalents, les chimères, mais c'est vrai que. Ah bah, de toute façon, ta chimère peut devenir un personnage à part. Et la chimère évolue en parallèle avec Yuna. On va améliorer Yuna, la chimère va évoluer en même temps, ce qui est pas plus mal. Hein. Oui, bah oui, carrément. Parce que t'imagines le farm qu'il faudrait faire. Enfin, elles évoluent en même temps que Yuna, mais vous pouvez pousser son évolution en faisant élever. Voilà. Et. On leur ajoutait des HP, des MP, enfin tout ça, regardez. Exactement. Et ça, c'est une part aussi, c'est une part importante de farm. Ça met des heures à faire, ça. Il faut farmer toutes les sphères et tout. Les sphères physiques, tout ça. Putain, sphère physique, il m'a pas grand-chose quand même. Tu sens le farm. Ouais, bah, de toute façon. Voilà, mais c'est vrai que.
n'y a pas de secret pour finir le jeu et pour vaincre l'ennemi le plus puissant du jeu, le ou les ennemis plus puissants du jeu, Der Richter, eh ben, il faut farmer. Et là, on en est à 55 heures de jeu, enfin, tu en es à 55 heures de jeu, et t'as fait pas mal de farm dans ces 55 heures de jeu. Il y a 20-25 heures de farm. Voilà. Bon, mais après, parce qu'on connaît le jeu, donc on a avancé rapidement dans les zones d'histoire. Exactement. Et c'est vraiment beaucoup de farm, quoi. Ouais. C'est quasiment que ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer d'autre? Bah, au niveau de la bande son, elle est toujours aussi exceptionnelle, mais je reproche quand même certains thèmes qui ont été un peu modifiés, comme par exemple le premier thème, l'île de Bessaïd, qui pour moi était exceptionnel dans la version PS2. Là, ils l'ont un peu remanié, même si elle est jolie, je suis un peu déçu de ce que ça donne. Bah. Elle est beaucoup plus instrumentalisée. Ça m'a pas choqué. Je t'assure, ça m'a pas choqué. Si on a parlé, c'était pas la même sonorité. Moi, je m'en suis rendu compte très vite. Mais c'est vrai que niveau sonore, le jeu est toujours aussi, aussi beau. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tu fais chier, gros. Simplement, tu fais chier. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Un autre combat. Qu'est-ce que je pourrais monter? Oh, un petit Oku. Un Mandragore. Ah oui, alors, les techniques. On peut vous montrer un overdrive de Tidus. Et le dernier overdrive, on peut le débloquer au bout de 30 fois qu'on aura fait des overdrives de Tidus. Les overdrives de Tidus, on peut les utiliser. Voilà, il y a une barre qui apparaît, est-ce que je vais arriver? Il faut appuyer au bon moment dans le petit cercle jaune. Et petite démonstration impressionnante de Tidus. L'agilité de Tidus. Un petit overkill? Même pas. Ah! Petit sidéral, ouais. Sinon, One Two, il s'est barré pisser, c'est pas grave. Hein, je continue tout seul. Mais pour vous dire que nous, on est heureux de retrouver ce jeu entre nos mains. Après 10 ans, 12 ans même. Ouais, 12 ans d'attente. 12 ans d'attente, parce que dès qu'on a eu l'annonce il y a quelques années, on se disait, ouais... Bah l'annonce a été faite il y a quoi? Il y a 2 ans? Ouais, on l'attendait, on regardait toutes les semaines comment ça avançait. Mais ils ont fait un travail remarquable, donc on félicite quand même Square Enix d'avoir fait ça pour les fans. Ah, bah, tu vois, oui, Square Enix, bravo eux, mais à la base, moi, c'est Soft, hein, c'est Square Soft. Hein. C'est sûr. Enfin, c'est, pas, sûr, c'est un autre débat, on va pas revenir là-dessus. Non, du tout. Mais là, on peut vous montrer quoi d'autre? On va pas vous montrer de match de baseball parce que... Non, mais on va aller à Lucas. On va aller à Lucas, mais on va pas vous faire match de baseball parce que One Two n'a pas joué un seul match, sauf le match obligatoire. Ouais, j'ai pas farmé les matchs de baseball. Hein, voilà. Moi, de toute façon, c'est ce que je faisais à la fin du jeu. Je faisais que de ça, clairement. Moi, je ouais, faisais. Il y a tellement d'autres choses à faire avant. Voilà, exactement. Et le baseball, c'est important que pour les overdrive de Waka. Et pour son arme ultime que tu chopes à ce comptoir-là. Voilà, exactement. D'ailleurs. Lucas qui est une très belle. Ah bah tiens, d'ailleurs on est à Lucas, il y a l'auditorium de Lucas qui regroupe tous les thèmes musicaux qu'on peut acheter et toutes les cinématiques qu'on peut acheter également. Ça coûte assez cher, mais ça permet de débloquer un trophée, donc pour les chasseurs de trophées c'est pas plus mal. Mais en parlant des trophées, justement, le jeu, comme on disait dans la découverte, il est très très il est dur. Ah bah pour ceux qui veulent le platiner, c'est sur la durée en fait. Il est dur, mais c'est pas dur, c'est long, faut y prendre du temps. Bah c'est, enfin, pour le platiner vraiment, pour le finir correctement, il faut bien 250-300 heures, mais pour le platiner c'est 400. Ah ouais, clairement. Parce qu'il faut savoir que le sphérier, comme on vous a dit, on peut l'avoir en standard ou en expert, comme on l'a vu dans la découverte, mais il y a des sphères annulation qui existent, et sur les sphères annulation, il faut remplacer les sphères 1, 2, 3 par des sphères 4 pour pouvoir atteindre le potentiel maximum de chaque personnage. Voilà. Donc ça veut dire atteindre les caractéristiques à 255, qui est le chiffre fétiche des FF, je sais pas pourquoi. Et le maximum de HP en standard, c'est autour des 60 000. Et en expert, c'est 50, 55 000, un peu moins. Parce que t'as moins de cases. Ouais. En expert. Exactement. Mais voilà, pour atteindre le potentiel maximum de chaque personnage, on est obligé de repasser sur le sphérier après l'avoir terminé au moins une fois. Et ce qui ajoute encore une durée de vie impressionnante au jeu, quoi. Ah bah oui. Même si le jeu, tu le veux finir pas à 100%, même le scénario à la fin. Si tu fais ton farming avant le scénario, le scénario, tu vas le finir d'une traite, quoi. Vers la fin du jeu, quand tu vas aller dans Sin, par exemple, ouais. Le boss de fin, tu lui balances deux coups, il est mort. Parce qu'il a quoi? Oui, bah ouais, mais parce qu'après ça devient trop simple. Trop simple, voilà. Bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est pour ceux qui adorent le farm, ça, c'est pas de la durée de vie artificielle, parce que comme je disais tout à l'heure, ça... Bah non, mais c'est pas artificiel, c'est un RPG de toute façon. C'est un RPG, et un RPG à la base, c'est ça, quoi. Ah, la cérémonie des compliments. Sans doute l'une des meilleures cinématiques du jeu. Clairement avec celle du mariage pour moi. Oh bah, on va se la mettre. Hein. Mais d'ailleurs, tu l'avais mis sur YouTube. Oui, je l'ai mis sur YouTube. Pour moi, c'est un coup de cœur. J'adore cette cinématique, celle du mariage. Ah, le petit slide sur les chaînes de Tidus. Oh, bah tu sais quoi d'ailleurs. Hein. On va se la remettre. Ah, ouais. Alors, elle est où? Paf. Ta. Non. C'est toujours pas là. Voilà, vous avez vu, il y en a quand même pas mal hein, de cinématiques. Hein. C'est pas du foutage de gueule. Les ailes de Yuna. Ouais. Il y a ouais, ça c'est non, c'est pas là, c'est à l'assaut de la Sainte Bevel. Ouais, t'en as trois en fait. Ouais. Elle de Yuna ou à l'assaut? Non, c'est. Les ailes de Yuna, c'est quoi, elles tombent, les ailes de Yuna? Ouais. Fais à l'assaut de la Sainte Bevel. À l'assaut? Ouais, bah allez. Voilà. Bon, par contre, on pourra pas vous couper le micro. Hein, non, on a changé de micro donc. On va se taire. Oh là. Je crois que c'est beau. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Yuna en robe de mariée. Yuna en robe de mariée avec les ailes. Mais toute femme qui se respecte a envie de cette robe de mariée. Quoi. C'est. Et les musiques aussi. Tellement bien collées. Ah, j'adore. Tony Hawk. Oh merde. Et Auron, de toute façon, c'est la classe. Ouais, Auron qui est le personnage le plus charismatique de FF10 pour moi. Oui, bah oui, oui. Et là, les ailes de Yuna. Yuna, quoi. Oh là là. Magnifique. Là là. Et lui, il a. Bah, voilà. Seymour, parce que vous l'avez pas vu. Voilà, Seymour, lui, c'est Seymour, lui. C'est l'un des grands méchants du jeu. Qui est. C'est le maître des Guado. Non, c'est le seigneur Guado. Oui, c'est un maître. C'est un maître de Yevon. Un maître de Yevon et il fait partie du peuple des Guado. Voilà. Pour ça qu'il a des veines sur la gueule. Voilà. Et c'est un connard. Enfin bref. Je l'aime pas, je l'aime mais pas. Mais personne ne l'aime. Qui c'est qui aime Seymour? Il est pas beau en plus. Il est. T'as vu la voix? T'as vu cette vieille voix de merde? Il a tué son père en plus. Mais va te faire voir, ouais. Quoi, je sais pas moi. Il est malade. Une ville disparue. Non, on va pas montrer toutes les cinématiques non plus, mais voilà. Donc ça se passe comme ça, c'est une sorte de gros amphithéâtre. Ouais, voilà. Il y a les cinématiques, il y a les musiques, il faut acheter les sphères. Mais ça, c'est à lier un trophée, c'est pas à faire tout de suite. Quoi. C'est pas obligatoire dans le jeu, c'est juste si vous voulez vous retaper les cinématiques. Bah, on va juste essayer de montrer un plan assez joli de Luca, parce que là. Alors, Luca. Luca, c'est une ville circulaire. Hein. Ouais. Donc on tourne vite en rond dans cette ville. Et ouais, vous voyez quand même que ça date de la PS2 parce qu'il y a certains personnages qui sont modélisés à la version PS2 quoi. Sur PS2, est-ce que. Mais c'est con ce que je dis, est-ce que la tapisserie, comme tu dirais, elle bougeait derrière? Bien sûr que ça bougeait. Mais ça, je m'en rappelle pas. Ce qui a été. Ce qu'on voit vraiment qui est magnifique, c'est l'eau. L'eau oui, il y a eu une refonte graphique phénoménale, hein, comme on disait. Voilà. Par contre, au niveau du gameplay, ça a toujours été pareil, ça n'a pas changé. Le gameplay, c'est pareil. PS2, PS3, c'est la même chose. Au niveau des angles de caméra, c'est exactement les mêmes. Voilà. Ils sont rien touchés, c'est juste une refonte graphique et sonore. C'est juste ça. Mais sinon, ils ont laissé le jeu tel quel et ils ont rajouté quelques trucs en plus, le Monster Create et The Last Mission pour FF10. Si c'est un truc dans le genre, c'est The Beast Create. Si le Creature Create et le Last Mission de FF10. Non mais dans FF10 c'est pas ça, c'est Eternal Calm. Eternal Calm, voilà. Ouais. Qui vous explique l'après FF10, enfin le passage de FF10 à FF10-2. C'est ça. Qui est lié à un trophée puisqu'on. Faut le regarder. Le trophée, voilà. Faut le regarder complètement. C'est pas là où je voulais aller. Super. Et là c'est pour aller à la route de Mienne. Ouais, ouais. Où t'apprends à Yuna à siffler. Oui. Elle arrive à siffler à ce moment-là. Tu sais que quand tu y repenses, il est quand même très gnangnan. Hein. De quoi? Bah le jeu en lui-même il est gnangnan. Bah il est moins c'est pisseuse et compagnie hein, quand même. Mais moi j'aime. Ouais. C'est con, c'est mon côté fleur bleue. Peut-être mon côté femme qui ressort, je sais pas. Mais... Ah, je sais pas, t'as été ton qui pointe peut-être. Je sais pas pourquoi je te touche. Non, on se voit qu'il n'y a pas de caméra. Hein. Prochaine fois on fera une facecam. Ouais, bah juste une facecam. Mais ça sera YouPorn par contre.
Non mais tout ça pour vous dire, ouais, il y a gnangnan oui et non, parce qu'il y a quand même une part de sérieux dans le jeu. Hein. Après c'est vrai qu'au niveau du FF10-2, on va pas en beaucoup en parler, mais on fera sûrement un test dessus, mais ce sera beaucoup plus tard. Ouais, ce sera beaucoup plus tard. On veut finir d'abord celui-là avant de commencer l'autre. Voilà. Mais FF10-2 c'est carrément du girls band, hein, comme on disait la dernière fois. Hein. Eh oui. C'est on aime ou on aime pas, mais moi je sais que voilà, j'ai bien accroché, même si j'y ai moins joué. J'ai bien accroché, mais... Le truc, c'est que j'ai accroché sur le système de Vétisphère, où plus... Enfin, à l'ancienne, plus tu utilises des compétences... Plus tu t'améliores. C'est ça. C'est pas un système de niveau, c'est par rapport aux compétences. Et ça, ça manquait. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait 40 minutes. 40 minutes. C'est pas grave. L'upload va être énorme. Bref. Je sais pas, est-ce que t'as d'autres choses à dire ou d'autres choses à montrer, parce que moi, oui, une chose à montrer, j'avais pas compris à l'époque et je comprendrais toujours pas, c'est donc là vous courez et si vous appuyez sur rond, vous marchez. Mais ça sert à quoi? Michael Jackson. Non mais ça sert à rien ce bouton, j'assure. C'est ça que je voulais montrer, mais ça sert vraiment à rien. Non, ça sert à rien. Voilà, tu m'as dit un dernier truc à dire, je t'ai un dernier truc. Quoi, ah ouais, génial, ah putain, trop bien. Attends, je marche dans Lucas. C'était... Sinon, moi, comme note, hein, moi, ce serait 18, voire 19 sur 20. Je mettrais pas à la perfection. Pff, 18, la note de l'époque. Voilà, 18 qu'il avait eu à l'époque. Pour moi, c'est toujours un excellent jeu. Et franchement, j'ai fait le test d'Infamous. Et j'ai commencé à jouer juste après avoir fait Infamous. Parce que je voulais pas entamer FF10 tout de suite. Parce que je sais que j'aurais pas terminé Infamous. Hein. Voilà, j'ai pas fini FF13 Lightning Returns. J'en suis à la fin du jeu. Et comme je me suis mis là-dessus, je le finirai sûrement... très très tard. Plus tard. En même temps, c'est pas une grosse perte, mais c'est un autre sujet. Voilà. Donc, pour moi, c'est un bon gros 18. Je suis extrêmement heureux de refaire ce jeu quand je revois des cinématiques. Un bon gros 18, c'est bon, c'est ouf. C'est le chiffre fétiche. Ah, bon gros 18. Bref. Oh, la privée de jeu. Tes conquêtes s'en souviennent. C'est enfin bref, chimères, c'était chimère, ouais, c'est ton overdrive, ton 18. Enfin bref. Regarde, je marche. Oh, c'est super bien, je marche. Non, mais bouton inutile. Non, mais voilà, donc pour moi, c'est un gros coup de cœur hein, qui revient. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas fait, faites-le. Ah, mais c'est clairement un FF à faire, un RPG à faire. C'est vrai. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de RPG longs, et celui-là, il y a tellement de choses à refaire que. C'est le dernier gros RPG au tour par tour, vrai tour par tour. Exactement. Mais franchement. Voilà. Parce qu'après, si, t'as Dragon Quest 8 qui est sorti après, ouais. Et qui était au tour par tour, mais après. Après, on en a pas eu beaucoup. Au tour par tour, je sais pas. Non, on en a pas eu beaucoup. Après, on avait vers les jeux japonais, mais nous, on n'est pas très calé sur les. Non. Voilà. Non, j'ai pas fait japonais en deuxième langue. Ah, ouais. J'ai fait français bis. Ouais, c'est vrai que déjà, niveau français, c'est pas le ça. Hein. Ah, putain. Enfin bref, donc moi je pense qu'on va se quitter là mes amis, parce que moi j'ai fait le tour, je sais si on a des choses, on a sûrement oublié des choses parce que... Les armes ultimes, on a fait le tour vite fait, mais bon voilà, tout le monde connaît les armes ultimes, les armes ultimes c'est pareil. C'est pas indispensable, hein, ça c'est, faut y découvrir, découvrir tout seul, putain je recommence à bafouiller. Tu bafouilles. Ouais mais c'est la pression ça. C'est la pression, ouais. Encore je suis allé pisser hein. Ouais ouais, tu m'as abandonné lâchement comme d'habitude. Enfin voilà. C'est pas grave mes chers amis, hein. Putain. Heureusement que vous voyez pas. Non, heureusement non. Arrête de me toucher. Non, arrête, putain. Ah. Non bon bah les enfants, on se quitte là-dessus. Donc comme Nono vous l'a dit, il a fait le test d'Infamous. Là il est en train d'être monté en même temps qu'on tourne. Ouais, on est en train de faire le montage, donc l'upload je la ferai cette nuit, donc il sera disponible demain ou après-demain, donc ce week-end, samedi, dimanche, 5 ou 6 avril. Voilà. Et FF sera disponible courant de la semaine prochaine, je pense. Mercredi. Mercredi, tu pourras. Ouais, prendre. Mercredi, parce que. T'auras le temps de le faire, t'as. Ça dépend. Enfin, on verra, quoi. on verra bien. Donc voilà, sinon, prochaine vidéo. C'est trop bien de marcher. Ouais, j'adore. Je vois, tu fais mec sérieux. La. Et sinon, bah voilà. Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Hein. Bah. Ouais, moi aussi. On va se quitter moi là aussi, moi aussi. Donc, on vous fait plein de bisous. Hein. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Et oui, puis... là, je sais pas si on va... Non, on va pas faire de vidéo tout de suite, je sais pas. Ah non, non, c'est bon. Allez. Allez. Des bisous à tous. Bisous. Si vous avez aimé, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous, faites partager. Et voilà, faites le tour. Hein. Et si vous aimez pas, bah vous aimez pas. Mais comme je dis d'habitude, si vous aimez pas, si vous mettez un pouce rouge, expliquez pourquoi dans les commentaires. Toute critique est bonne à prendre. Exactement. Mais une critique constructive.
Exactement. Bref. Allez, bisous à tout le monde les enfants. Ciao. Ciao tout le monde.